Un, deux, un, deux. Bonsoir à tous. Ah, je vois qu'il y a de bonnes habitudes qui ne se perdent pas. Hein. C'est le bonsoir ou le bonjour en amphi. Euh, je suis Sandra Schall, euh, professeure au département d'études japonaises et directrice du groupe d'études orientales slaves et néo-helléniques. Et nous sommes très, très heureux dans le cadre de l'exposition Cérémonie du Japon que vous pourrez voir si ça n'est pas encore fait au cinquième étage. C'est gratuit. Elle est ouverte euh, du lundi au samedi de 14h à 19h. Il suffit de vous présenter à l'accueil qui est à côté d'ici, demander un ticket, c'est gratuit, puis de monter au cinquième étage et de tout découvrir ces pièces absolument magnifiques qui ne sont jamais sorties du Japon, qui n'ont jamais été exposées. Euh, à l'œil d'un public et qui sont extrêmement précieuses. Hein euh, nous avons le plaisir aujourd'hui, la BNU a le plaisir aujourd'hui d'accueillir une collègue de l'INALCO, Estelle Boer, qui est professeure des universités et qui nous fait l'immense honneur de cette conférence ce soir sur la vie à la cour de l'empereur du Japon, vu par les historiens de l'époque d'Edo donc ces 17e-19e siècles. Estelle Boer, nous sommes doublement ravis de l'avoir parmi nous euh, parce que euh, elle est directrice également de l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, l'Ifrae et c'est une grande spécialiste de l'histoire de l'art du Japon classique. Elle est notamment euh, l'initiatrice et la responsable du projet Manuscrit japonais à peinture dans les collections françaises. Elle est membre d'un groupe de recherche très actif qui travaille sur le Genji Monogatari, le dit du Genji, qui est le roman le plus célèbre japonais hein, du, du Japon classique. Et elle a assuré le commissariat de plusieurs grandes expositions scientifiques, notamment sur l'art narratif japonais. Son dernier ouvrage est sorti l'an dernier, en 2021, chez Faton. Euh, c'est un catalogue d'une exposition elle a, euh, dont elle a assuré le commissariat, œuvres japonaises du château de Fontainebleau, art et diplomatie. Mais euh, je lui laisse sans attendre la parole. Merci Estelle. Merci beaucoup. Merci Sandra. Alors, est-ce que ça, c'est bon vous m'entendez Ça va Pour YouTube, c'est bon aussi Ok, parfait. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, comme c'est l'usage, je voudrais d'abord remercier la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg, donc Monsieur Alain Collat, Monsieur Emmanuel Marine, Monsieur Benoît virman et l'Université de Strasbourg, la personne de euh, et Sandra Schall, donc de l'Université de Strasbourg. Pour moi, cette invitation est un grand honneur. Euh, et un grand plaisir, j'ai découvert l'exposition, elle est vraiment magnifique, j'espère que vous allez, si vous ne l'avez pas vue, vous allez la, la voir, si vous l'avez déjà vue, j'espère que vous irez la revoir, j'espère que, que mes explications, mes petites explications vous, vous aider à la comprendre un peu mieux. Je voudrais ajouter sur un ton plus personnel que j'ai fait une partie de mes études à l'université Gakshuin euh, auprès de deux professeurs, um, Chino, Chino Kaoli et Sanomi Doli, qui a pris sa retraite l'an dernier. Avec qui je collabore encore. Euh, en fait, j'ai étudié la, à la section d'histoire de l'art du département de philosophie. Bon, C'est comme ça que les choses sont structurées à l'université Gakshuin. Et ça a été un grand moment pour moi dans ma vie d'étudiante et de chercheuse, puisque cette section d'histoire de l'art de Gakshuin enfin, est réputée et attire beaucoup de chercheurs étrangers. Donc, en fait, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, je travaille encore, sont passées par Gakshuin. Donc, même si je n'ai pas eu de. Enfin, je n'ai pas travaillé avec les, les, cette bibliothèque. En tout cas, je suis très heureuse, enfin, d'autant plus heureuse d'être ici que voilà, j'ai ce lien, ce N, comme on dit en, en, en japonais, avec Gakushin. Alors, autour de 1800, Matsudaira Sadanobu, un homme d'État, ancien ministre, grand lettré, a le projet de mettre en image le Didé Heike. Donc, vous se connaissez un hein, Didé Heike, ce euh, roman euh, récit épique. De la, qui raconte donc les, les événements qui sont passés dans la seconde, enfin, au milieu du XIIe siècle. Donc, il souhaite mettre en image le Dideiheike sous la forme d'un rouleau illustré, ce qu'on appelle un emaki. On sait par ailleurs que Sadanobu adore les emaki, ce qui a pu expliquer son souhait de se faire le plaisir d'en produire un à son tour. Il explique lui-même, dans l'introduction à un livre, qu'il ne sait pas comment représenter la voiture qui apparaît dans un épisode du Dideiheike. Cet épisode se déroule à la capitale. On y voit un guerrier très fruste, arrivé d'une province reculée, ignorant des usages de la cour et qui ne sait pas comment monter dans une voiture, ni comment en descendre. Il se trompe, fait un impair, se fait rabrouer par le conducteur, un petit bouvier très humble. Si Matshidala Sadanubu ignore lui aussi tout des voitures de la fin du XIIe siècle, cela ne tient pas à son manque de culture mais tout simplement au en fait que cela fait trois ou quatre siècles que les voitures tirées par des bovins ne sont plus utilisées. Donc les voitures que vous avez là-haut qui ont été peintes au 18e ou 19e siècle ont été peintes à une époque où elles n'existaient plus, En fait, elles n'étaient plus du tout utilisées. Cette curiosité cette nécessité conduit Matsuda la Sadanobu à se lancer dans un travail de compilation de toutes sortes de sources afin de composer une sorte d'encyclopédie des voitures, on appelle le yoshadzuko Il travaille avec méthode très sérieusement, réunissant une masse de documents difficiles à imaginer de nos jours, surtout à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur. Il a recours à des ouvrages chinois, des histoires du Japon, des recueils de textes juridiques, des notes journalières de haut dignitaire, des ouvrages de protocole. Il s'est aussi, aussi référé à des textes de récits de fiction romanesque et à des recueils de setsua, c'est-à-dire de, de petites histoires, ce qui représente en tout plus de 90 sources différentes. Enfin, il utilise aussi des documents visuels, dont des émaquis, dont des rouleaux. Donc, Par exemple, celui que vous avez sous les yeux, sur lequel je reviendrai. Et également, apparemment, les rouleaux que vous avez euh, exposés ici. Si ce, pas, si ce ne sont pas ces rouleaux, en tout cas, ce sont des rouleaux qui. Euh, ont servi de modèle à ceux qui sont ici. Donc il en résulte un travail monumental sur les voitures. Donc, ça, c'est un détail de euh, ce qui est exposé euh, au cinquième étage. Euh, il en résulte un travail monumental sur les voitures et les palanquins de l'Antiquité au Moyen-Âge. Dans ce livre de Matsudaira Sadanobu, tout est organisé méthodiquement en 105 thèmes, allant des voitures de luxe aux éléments composant ces voitures, comme les stores. Les citations des sources sont complétées par des commentaires de Sadanobu et parfois illustrés. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que les lecteurs de littérature classique l'utilisent encore comme ouvrage de référence, parfois sans le savoir. En fait, toutes les encyclopédies visuelles sur le monde classique, les manuels scolaires, tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, en général, se réfèrent à cet ouvrage de Matsuda Ila Sadanobu, qu'il a donc terminé vers 1803. On oublie parfois l'importance des travaux des lettrés de l'époque des dos dans la compréhension que l'on peut avoir de la société de cour. Et je dirais que cette exposition, elle est là pour nous le rappeler. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, mais c'est aussi un sujet qui est assez complexe et sur lequel, finalement, je ne connais pas tant que ça. Donc, pour cette conférence, j'ai décidé d'aborder la question de la vie matérielle de la cour à travers donc ce thème de la voiture, hein, puisque c'est quand même le... Euh, L'objet central de l'exposition et ceux qui ont vu, je pense, ont été très impressionnés parce qu'elles sont quand même magnifiques, ces voitures. Et je vais donc parler des voitures de cours de trois points de vue. D'abord, je vais présenter concrètement comment est-ce qu'on utilisait ces voitures et quels étaient les différents types de voitures. J'ai utilisé pour ça un livre grand public, mais très bien documenté. Euh, qui s'appelle Guisha de Iko, Allons-y en voiture, Heian Kizokunto Nolimo no Bunka, donc la, les aristocrates de l'époque de Heian et la culture des moyens de transport. Euh, ensuite, j'illustrerai hein, tout ça avec des, des images soit tirées du, du Yoshadzuko, donc du livre de Matsuda la nobu ou bien euh, des maquis de, du 12e au 14e siècle. Ensuite, je montrerai deux exemples d'utilisation de voitures dans des émaquis, comment est-ce que les voitures sont mises en scène. Euh, et en dernier, comme euh, j'ai un goût prononcé, un, un thème qui me cherche, c'est le dit du Genji, euh, et qu'il y a beaucoup de voitures euh, dans, dans le dit du Genji dans les, et dans les illustrations, j'ai choisi un passage du dit du Genji qui est très fameux, qui a été donc beaucoup illustré, où la voiture de cours joue un rôle important. Il s'agira là en quelque sorte de montrer la place de la voiture de cours dans l'imaginaire du Japon classique, la voiture de cours comme un sorte de lieu de mémoire de la noblesse japonaise. Alors pourquoi parler de, de la voiture des voitures donc, Comme je vous l'ai dit, parce qu'il y en a beaucoup dans cette exposition, euh, avec même par exemple des représentations euh, en coupe. D'après les, les travaux des historiens, d'après ce que j'ai pu lire, que les bibliothécaires de l'université de, de Gashuin m'ont envoyé, euh, le manuscrit original de ce long rouleau, donc le kulumazu, le, le rouleau des, rou, des voitures, hein, pourrait avoir été réalisé à l'occasion de la nomination d'un noble qui s'appelait Toin Kim Moli, hein, qui a vécu à la fin du XIIIe, enfin, début 14 siècle, au poste de Dajo Daijin, c'est-à-dire ministre des Affaires suprêmes. Euh, ce qui était le, plus, le poste le plus important. Et comme il était nommé euh, ministre des Affaires suprêmes, eh bien, il avait besoin d'une sorte de Rolls-Royce, hein. il avait besoin d'une voiture hein, d'un certain type. Et comme c'était déjà une époque où ça commençait à... Le noble commençait à en avoir peut-être un petit peu moins, il a rassemblé des images de cette voiture hein, en demandant aux membres de la famille dont les ancêtres avaient occupé le même poste de ministre des Affaires suprêmes. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la, la science des précédents, euh, Lorsqu'un noble est confronté à une situation, il se renseigne sur la façon dont les générations précédentes ont agi dans une situation similaire. Alors, voilà, ils font leur, leur enquête, hein. ils regardent dans, dans les notes journalières, dans les ouvrages de protocole, etc. Euh, il peut y avoir plusieurs modèles, et à partir de là, donc à partir de s'appuyant sur ces précédents, ils font faire des comparaisons et ils choisissent la solution la plus adaptée. Donc c'est dans ce contexte-là que euh, ce ministre a Réunit toutes ces images pour donc fabriquer une voiture qui était adaptée à son nouveau statut. D'après ce que j'ai lu, il a occupé le poste que pendant quatre mois, ce qui ne lui a pas laissé le temps de fabriquer cette voiture. Donc euh, bon, On n'en a pas d'image. Mais ce qui, ce qui apparaît à travers cet exemple, c'est que la voiture est un objet lié à la classe sociale. C'est une sorte d'objet de standing qui, manif qui manifeste le statut de noble. C'est évidemment lié. Aux raisons, enfin à des raisons économiques hein, à l'époque, euh, sous l'Antiquité, au XIIe, au début du Moyen-Âge, dans l'époque de Heian, Kamakura, en tout cas à l'époque de Heian, XIe, XIIe siècle, la noblesse est la seule classe sociale ayant les moyens de se procurer euh, les matériaux, les, enfin, de fabriquer euh, une voiture qui implique aussi un entretien, la possession de, bo de bovins et l'emploi de bouviers et d'une escorte. Hein. On verra, il y a toujours. Un bouvier, donc un conducteur euh, et euh, une escorte. Euh, alors ces voitures, bon, je, les, je vais les appeler euh, voitures de cours pour, euh, par, disons, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile euh, en français. Mais en japonais, on les appelle gisha. Donc gisha, c'est, euh, ah, j'ai oublié les idogrammes, sida. Donc c'est la combinaison de ushi, la, la vache, le, le le taureau, le bœuf, le bovin, et Kuluma la voiture. Donc, on peut le traduire littéralement par la voiture tirée par un bœuf, ou par une vache, ou par un taureau, ou par un bovin. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Il y a une chose qui est dite euh, en haut, enfin, au cinquième étage, et je dirais à, à tout seigneur tout honneur, je voudrais dire en premier que l'empereur, lui, n'utilise pas de voiture tirée par un bovin. Lui, l'empereur, il utilise un palanquin. C'est ce que vous voyez ici. Je sais pas si vous voyez assez bien. Ma photo n'est pas très bonne. Euh, là, on a l'empereur. Alors attendez, je mettre ça en rouge parce que c'est mieux. Non, je ne sais pas si vous voyez mon. Là ici, l'homme qui est debout, qui est habillé en une espèce de un peu verdâtre, c'est l'empereur et il attend son palanquin qui est ici euh, au pied euh, de, de de sa résidence. Euh, voilà, alors ça c'est une, une image qui vient, qui provient du Yoshadzuko, donc de, de l'ouvrage qui a été réalisé par Matsudaira Sadanobu. Donc, il y a plusieurs manuscrits, plusieurs lignées de manuscrits. Ça, c'est les images que je vous montre sont, proviennent du, de la bibliothèque de la Diète. Euh, donc, ça, c'est le, le, le palanquin utilisé par l'empereur hein, lorsqu'il. Euh, pour les, pour les, les, enfin c'est le palanquin d'apparat, voyez, il est surmonté d'un phénix. Donc ça, c'est pour les, les moments particuliers. Et euh, au quotidien, il utilise un palanquin plus simple qui est surmonté juste par une sorte de, de joyau. Voilà comment ça peut se présenter. Donc, le palanquin est porté par des hommes. Alors, la voiture... N'est pas le seul, je voudrais aussi, avant de continuer sur la voiture, la voiture n'est pas le seul moyen de locomotion pour les nobles, même si on a souvent tendance à penser que, qu'ils voilà, ne marchent pas, ils, ils se contentent de se laisser transporter. En fait, les nobles peuvent aussi euh, se déplacer à cheval ou à pied. Donc là, ici, c'est un exemple qui est tiré d'un émaquis du XIIe siècle, où on voit deux nobles, dont lui, qui est un messager impérial, qui se déplace à cheval. Euh, là, il se rend. Euh, Enfin, fond des montagnes dans un endroit très reculé pour visiter un asset. Donc, là, on peut dire que le cheval est tout à fait adapté aux euh, routes cahoteuses. Voilà un autre exemple. Euh, c'est un, un rouleau qui date également du XIIe siècle où euh, toute la ville est ameutée parce que le palais, enfin, une porte du palais est en feu, donc tout le monde accourt. Donc, on voit d'abord la police qui est à cheval, mais ce que j'ai entouré, ça, c'est un, un noble et là, on va regarder un détail. C'est un noble plutôt certainement d'assez haut rang. Et là aussi un autre noble, peut-être de rang moyen, qui vient de descendre de cheval. Donc, voilà, le, le noble on le reconnaît à sa euh, coiffe, euh, sa couronne de cour. Je crois qu'il y a une couronne de cour en haut. Oui. Donc ben voilà, vous en voyez une hein. peinte. Euh, ça vous prouve que ça existe bien. C'est très important hein, quand les, les nobles se rendaient au palais. Euh dans des situations un peu formelles, il devait porter cette couronne de cour. Donc là, on est à peu près sûr que c'est un, un, un noble qui est euh, au galop, là, qui essaie de rejoindre euh, la, le palais pour aller voir ce qui se passe. Euh, là, c'est un exemple de femme qui est à cheval. Voilà le détail c'est plus rare en fait. Les femmes en général ne prenaient pas les chevaux. Enfin les femmes de la très haute euh, noblesse ne euh, n'utilisaient pas de chevaux. Euh, là bon, là c'est juste une moniale de rang plus inférieur disons. Donc c'est pour ça que elle elle peut prendre un cheval. Vous voyez elle est, on, on reconnaît son, son grand sa grande coiffe plate qui est, elle est protégée par une sorte de, de gaz. Vous avez dû déjà voir ça dans des euh, dans des films. Alors, si on revient aux, aux voitures, euh, les historiens estiment que l'utilisation de la voiture tirée par un bovin s'est répandue au IXe siècle et est courante jusqu'au 14e siècle. Au départ, les voitures étaient utilisées par les femmes, puis ensuite elles ont été utilisées par les hommes, et elles sont progressivement remplacées par des palanquins. Difficile de c'est des choses progressives, hein, mais vers le 15e siècle. Alors, comment est-ce qu'on utilisait les voitures et quels sont les différents types de voitures euh, Donc, là, c'est un, un premier exemple. Je pense que c'est un une des représentations les plus anciennes d'une voiture euh, tirée par un, un bovin. Euh, c'est donc Elle est tirée du rouleau du grand conseiller Ban. C'est la suite de l'image précédente où on voyait les gens qui couraient euh, en direction du palais. Et euh, il s'avère que c'est ce grand conseiller Bann qui a mis, la, euh, qui a mis le feu à la porte du palais. Donc à la fin de l'histoire, il est arrêté et puni euh, et on l'envoie en exil. Donc là, c'est le départ en exil euh, avec le, la police qui l'accompagne et il est devant, donc le voilà. Euh, il est assis, on le voit juste ici, assis, euh, donc tourné vers l'extérieur et sa voiture est entourée de valets. Euh, certains ayant des faces un peu patibulaires ou d'autres euh, un air simplet, ce qui est une façon pour les nobles de montrer le. Ce sont des subordonnés hein, qui ont des qui sont affectés à des tâches extrêmement humbles. Mais il y... y a un élément que j'aimerais vous mont... enfin attirer votre attention, c'est le fait qu'ils portent tous des des bonnets, donc ils ont fait ce qu'on appelle, euh... ils sont ils sont considérés comme des adultes. Dans le Japon anciens, pré enfin avant jusqu'au Moyen Âge, euh, pour être considéré comme un adulte, on... enfin, le passage de l'état d'enfant à adulte euh, consiste à mettre euh, un, une coiffe. Et alors, je dis ça parce que le, les Bouviers, eux, ont toujours un statut de mineur. Ça, c'est une chose. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais euh, en tout cas, vous verrez les, les Bouviers, donc les, les ce qu'on appelle usikai, donc ceux qui conduisent les, les voitures, euh, sont toujours représentés avec sans chapeau, souvent avec les cheveux ramenés en queue de cheval. Et c'est pas lié à leur âge, puisque celui-ci, manifestement, il est assez âgé, il, il a des rides, etc. Donc les, les bouviers, eux, sont toujours euh, euh, un statut social de mineur. Alors, comment est-ce qu'on monte dans la voiture Comment montons à bord de la voiture et comment en descendons Donc, dans une voiture, il y a euh, l'arrière et euh, l'avant. Donc, la partie arrière, c'est la partie avec les bras les plus courts, et la partie avant, c'est celle avec des bras qui sont très longs, qui sont euh, attachés au euh, bovin. Voilà un, un exemple qui est tiré du livre de Matsudaira Sadanobo, où vous voyez qu'on a mis un marchepied. Donc les serviteurs ont mis un marchepied, ce qui permet aux nobles d'entrer par dans la voiture. Donc on entre par l'arrière et on peut s'aider par euh, ce marchepied à l'avant. Vous voyez, il y a d'autres des serviteurs qui stabilisent euh, la, la voiture. Je me demande si on ne pourrait pas baisser un petit peu la lumière, parce que je... si c'est possible, j'ai peur que ça. Enfin, je pense que vous devriez mieux voir parce qu'il les... n'y a pas beaucoup de contraste. Donc, euh... C'est un peu mieux, oui, d'accord. Euh, voilà une autre image où on voit le, le bouvier qui apporte le, le, le marchepied. Donc, quand on descend de la voiture, on descend par l'avant euh, avec à l'aide de ce marchepied. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord dételer la voie, le, le bovin et ensuite on apporte le marchepied et on descend par là. Donc, c'est ça, par exemple, que qu ne connaissait pas le, le guerrier Frust qui arrive de sa province reculée. À, il, il, il monte par l'arrière, il descend par l'arrière, et le bouvier lui dit non, surtout pas, ça pas du tout. Euh, alors, il y a une autre solution, c'est de. Qui, parce que la, la voiture, elle est, elle est haute. Hein. Donc, une autre solution, c'est de passer directement de la voiture à l'intérieur de la résidence. Donc, pour comprendre ça, euh, je vais vous donner une, un plan succinct d'une. Très simple, simplifié d'une un, résidence de l'époque de Heian. Donc, vous voyez, là, dans, dans une résidence de l'époque de Heian, donc il y a le bâtiment principal, le, ce qu'on appelle le corps de logis, qui donne sur une cour qui se prolonge par un, un étang. Et euh, il y a donc des, des pavillons latéraux qui, sont, euh, qui se prolongent par euh, une galerie. Et ensuite, il y a une autre cour et enfin le mur d'enceinte. Donc, il y a un grand mur d'enceinte qui entoure la totalité de la résidence, avec, dans lequel est euh, ménagé. Pratiquer un, un, une porte. Donc, une première solution, c'est de se garer devant la porte et de descendre, comme je vous l'ai expliqué, on dételle le, le bœuf et on, on prend le marchepied et on descend. Mais une autre possibilité, c'est de passer avec la voiture sous la première porte et d'installer euh, et de garer la voiture à la hauteur du, euh, de la galerie. Donc ça, c'est l'exemple, euh, premier exemple. Donc, les voitures sont garées à l'extérieur. Vous voyez, là, il y a la, la porte. Donc, les voitures sont garées à l'extérieur. Donc, l'autre solution, c'est d'entrer sous cette porte et de garer la voiture par ici, en faisant en sorte que la voiture, le, la cabine, soit à la même hauteur que cette galerie. Alors, j'ai trouvé une image qui il l'illustre. Ce n'est pas très courant. Voilà. C'est ce que vous voyez ici. Euh, donc, c'est une. L'original date du XIIIe siècle, mais là encore c'est une copie de, qui se trouve à la bibliothèque de la Diète, qui était plus lisible. Donc voyez là les, la voiture, elle est garée contre la galerie. On voit les, les valets là qui sont en train de, de peiner à stabiliser la, la voiture et le noble. le noble c'est celui qui est habillé en noir. On reconnaît, vous reconnaissez ici sa couronne de cour. Et il a un serviteur qui l'aide en fait à enjamber euh, le vide pour pouvoir entrer directement dans la voiture. Donc ça c'était une autre possibilité, ce qui permettait de, aux nobles de, voilà, de ne pas avoir à fouler euh, le sol. Voilà la vision complète de la section avec le bœuf qui est euh, tenu en laisse en quelque sorte par euh, le bouvier. Donc, qui, va, qui attend que le... Le nob soit installé dans la voiture pour ensuite euh, atteler le, le bœuf. Et euh, ça, c'est la, la scène suivante où on voit qu'il se dépêche à, aller à, la, à, la, à la cour. Euh, donc, il va relativement vite, puisque vous voyez derrière les serviteurs, il court. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il porte un chakou. Il a un insigne de dignité. Je. Je veux vous faire remarquer parce qu'au cinquième étage, vous avez aussi des chakouins, hein, des insignes de dignité, donc qui servent. Donc c'est un insigne de dignité, de dignité. Ça veut dire que ça, ça montre le statut du, du noble. Hein, c'est, ça fait partie du, des accessoires que les nobles utilisent quand ils, sont, ils ont des sorte de réunion à la cour, et euh, ça peut servir aussi d'aide-mémoire ou d'antisèche. Enfin, c'est très intéressant au cinquième parce qu'on voit les, les antisèches qui sont exposées. Enfin, moi, c'est la première fois que j'en voyais en, en réalité. Hein. Euh, je vais vous parler des différents types de, de voitures. Euh, donc là, les deux voitures que je vous ai montrées jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle les Agilo-Guluma. Donc Agilo, ça veut dire, ça renvoie à... C'est une idée de vannerie, de tressage. Donc en fait, le toit, ça ne se voit pas ici, mais le toit est fait avec euh, des, des lamelles de bambou ou d'écorce d'arbres qui sont euh, tressées et donc je pense qu'elles sont enduites et, et laquées. Là, je n'ai pas réussi à trouver davantage d'éléments. Mais en tout cas, c'est la voiture de base, c'est la voiture ordinaire, euh, c'est la voiture de cours qui est utilisée au quotidien et par la noblesse de rang moyen. Donc il y en a euh, en haut, donc voilà, ça c'est un Adjiloguluma. Euh, alors la, la caractéristique des, du rouleau en haut, c'est que le, les peintures ne présentent que... Euh, la cabine ne présente pas le, la voiture avec ses roues. Vous voyez ici, il y a une encoche. Vous voyez l'encoche. c'est l'encoche qui permet de, enfin, sur laquelle on va faire glisser le, les cieux hein, pour euh, donc, tenir, en, maintenir la, la voiture. On comprend que ça doit être aussi un peu euh, <laughs> instable comme euh, type de véhicule on comprend pourquoi est-ce qu'il faut toujours des personnes de part et d'autre pour maintenir la stabilité. Euh, il y a un autre ah oui c'est aussi autre élément. Euh, elle est garnie à l'intérieur de tatami. Donc ces tatamis sont amovibles et euh, donc pour moi c'est un peu comme un, une maison finalement. C'est un peu une maison en, en réduction hein, les, les voitures. Et puis vous pouvez voir aussi qu'il y a des fenêtres. Hein, euh, latérales euh, qui permettent donc de regarder euh, vers euh, l'extérieur. Alors deuxième type de, de voiture, hein, ça c'est ce qu'on appelle les bilogueno kuluma. Euh, alors ces voitures recouvertes d'une housse en feuilles de latanier. Alors, je, je vais vous montrer ce que c'est que les lataniers. Vous pouvez voir déjà c'est une voiture avec une espèce de housse blanche. Euh, elles sont très très éclatantes. Elles sont d'une un, un, couleur éclatante. Donc elles sont faites avec euh, cette sorte de palmier hein. bon, le dictionnaire donne l'atanier. moi je ne suis pas du tout une spécialiste des, des végétaux c'est euh, voilà, ce que j'ai trouvé sur Wikipédia c'est peut-être pas la meilleure source euh, en tout cas il s'agit les palmes euh, sont découpées euh, en lanières et sont ensuite tressées mais elles sont bouillies au préalable ce qui permet de les, euh, les transformer en enfin, leur donner cette couleur blanche. Donc, les, ce sont des voitures qui donnent l'impression d'être sans fenêtre et euh, recouvertes d'un blanc, euh, d'un manteau blanc. Euh, alors, il y a des choses... Euh, alors, ce sont des voitures qui sont réservées à la très haute aristocratie. Hein. Les ministres, euh, les chanceliers, les régents, etc. Euh, là, ici, on a une voiture d'après... Je pense que c'est une voiture qui reprend... Enfin, qui est, dont, dont le toit est recouvert de, de ce, ces lataniers et le côté aussi, mais pas euh, une housse complète. Je n'ai pas bien réussi à trouver à quoi ça correspondait. Euh, mais l'autre la, point de différence entre euh, la première voiture et euh, celle-ci, c'est le toit. Vous voyez, le toit ici est galbé. Alors, ça, c'est un élément important, c'est ce qu'on appelle euh, en japonais un kara Pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, euh, on trouve aussi ces, ces formes galbées dans certaines portes de, de bâtiments, dans l'architecture, dans les temples, notamment les portes d'entrée. Et lorsqu'il s'agit d'une porte, cette forme galbée est réservée au passage d'honneur, au passage cérémoniel. Au passage réservé à l'empereur ou à la famille impériale. Donc, on peut en conclure, parce qu'il y a vraiment une co corrélation entre l'architecture et ces voitures. Euh, ça, c'est la voiture de plus haut rang. De même que les portes qui, sont ce, qui ont ce à fou ce sont les, les, les portes de plus haut rang. Et euh, c'est. En fait, kala, ça veut dire chinois. Donc, c'est une voiture dite à la chinoise. Et ça, c'est le type de voiture. Donc, voilà le. Vu en grand, qui est euh, réservé aux empereurs abdicataires, aux impératrices, aux grands chanceliers, aux régents, etc. Là, ici, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la, la, la fenêtre latérale, elle est garnie de stores et non pas de volets. Donc, ça ressemble ra aussi aux, aux. Ça fait penser euh, oui, aux maisons de la noblesse, hein, avec tous ces, ces stores qui sont abaissés, derrière lesquels sont cachés les nobles. Hein une sorte d'accumulation de, de signes oui, qui vont dans le sens d'un rang élevé euh, alors si on voulait encore aller plus loin dans la comparaison avec les autres on voit que la, alors ça j'ai rien lu là-dessus mais euh, vous voyez que les, les bordures du tatami sont multicolores hein, et en général les bordures de tatami multicolores c'est un type de bordure qui est utilisé pour les les tatamis euh, qui sont réservés à la famille impériale. Hein, c'est cinq couleurs. Alors que là, si on regarde, c'est difficile à voir, mais les bordures de tatamis sont juste en noir et blanc. Donc, ça, c'est des tatamis ordinaires. Alors, c'est des petites choses, mais c'est vraiment typique de cette société qui est extrêmement. qui a une étiquette, un protocole très, très. qui va juste dans le, les moindres détails. Hein. C Il y a aussi un autre élément, c'est là, à l'intérieur des pains. Euh... Alors c'est un peu difficile de dire quel type de peinture il s'agit. On voit juste des personnages. Il faudrait que je regarder de nouveau à l'étage. Mais apparemment, quand il s'agit de peintures qui représentent des figures chinoises, c'est d'un rang plus élevé que euh, les peintures qui représentent des paysages au fil des saisons japonais. Donc il y a, en fait, la Chine est un élément de prestige. Hein, dans... Alors je voudrais passer maintenant à des exemples de euh, voitures. On va passer, voilà. Des voitures dans des émaquis. Euh... Alors, vous allez voir, la voiture ne joue pas un rôle central, mais euh... pour moi, c'est quand même quelque chose de... C'est un élément, disons, parmi d'autres qui donne du sens à l'image. Donc là, il s'agit d'un rouleau qui a beaucoup servi à, à Matsudaira Sadanobu. Euh, un, ça s'appelle Les prodiges de l'avatar du sanctuaire de Kasuga. Vous pourrez trouver d'autres traductions. Le Kasuga Gongenkenke et Maki, c'est une œuvre qui date du début du 14, du 15, euh, début XIVe siècle, oui, euh, qui est composée de 20 rouleaux. Donc je crois, à peu près 200 mètres de long. Enfin, c'est énorme. Euh, et qui a pour thème les bienfaits accordés par la divinité tutélaire de euh, la famille Fujiwara. Donc, la famille Fujiwara, je pense que vous en avez entendu parler, donc la famille la plus puissante à la cour. Et cette, leur, cette divinité, tutélaire, donc, les a, divinité tutélaire, donc elle les a protégés et les a fait prospérer. Euh, donc, dans ce rouleau, euh, ce rouleau se compose d'une succession de petites histoires hein, euh, qui montrent comment les, donc comment les, ces, 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 ces divinités de Kasuga ont protégé la famille Fujiwara. Euh, la divinité de Kasuga, je vous la connaissez, ça se trouve à nala si vous, vous connaissez Nala, vous connaissez les dains à Nara, je pense que vous, en avez, vous avez déjà vu les photos des dains à Nara. Bon bah les dains en fait, c'est la monture de cette divinité de Kasuga. Donc s'il y a autant de dains à c'est parce que euh, voilà, ce sont, ils sont liés, directement liés à cette divinité de, de Kasuga, qui est donc la divinité protectrice de la plus grande famille de la noblesse japonaise. Euh, et donc ce rouleau, cet ensemble de, de 20 rouleaux, a été commandé au début du XIVe siècle par un descendant de cette famille qui voulait continuer de s'assurer l'appui de ces divinités. Donc il voulait flatter les divinités. Les divinités aiment bien, elles sont sensibles à la flatterie. Il euh, faut les courtiser. Et donc, dans ce rouleau, on raconte toutes les, tous les bienfaits que euh, les divinités ont, ont accordés à cette famille pendant euh, sur quatre siècles à peu près. Donc là, je vais juste vous montrer une, une anecdote. Euh, L'histoire se déroule en deux ou trois temps. La première image montre la ruine d'un noble donc de la famille Fujiwara qui a subi un revers de fortune. Vous voyez que le mur d'enceinte est effondré. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, le mur d'enceinte est effondré. Euh, le, la couverture du toit n'est plus euh, entretenue. Ici, il manque des, des planches. Là, le, là, où, là où on voit les planches parce que le, ce qu'on appelle le petit bardeau a disparu. Euh, donc, c'est une situation très précaire. Vous voyez ici, là, il y a des trous aussi dans la galerie. Et euh, il reçoit un visiteur qui est annoncé par la voiture extérieure. Donc, il y a toujours un lien. Quand on voit une voiture à l'extérieur d'un... D'un bâtiment, on sait qu'il y a un visiteur. Euh, et le, le visiteur lui recommande de faire des pèlerinages au sanctuaire de Kasuga, Anala, pour retrouver la prospérité. Donc, l'image suivante, c'est ce qu'il fait. Il part à Anala pour. Euh, il fait plusieurs pèlerinages. Alors, un principe, les pèlerinages doivent se faire à pied, voire à, à, à cheval, mais jamais en voiture. Parce que, justement, on doit montrer qu'on fait un effort euh, donc même des, des personnages de très haut rang hein, il y a des tas de source, enfin de tas de mentions dans les sources qui se plaignent c'est dur etc mais euh, qui font des, des pèlerinages comme ça à pied euh, ou bien donc là euh, à cheval donc c'est une façon donc de montrer qu'on fait un, un effort et puis il y a aussi cette idée je pense que la voiture étant un objet de, de standing manifeste sa puissance bah, man, on ne manifeste pas sa puissance vis-à-vis -vis des, des dieux au contraire hein, si on veut obtenir leur faveur donc il faut utiliser un moyen de locomotion plus euh, modeste. Là, vous reconnaissez le fait qu'ils vont à Kasuga, puisqu'il y a le toli, hein, le portique, hein, qui montre qu'on entre dans un espace euh, sacré lié euh, au Kami. Et puis, euh, au premier plan, des euh, euh, dynchikas. Des Donc, on est bien sur le territoire hein, de, ce, euh, de cette divinité. Et ça marche. La euh, divinité l'a euh, écouté. Euh, c'est le, euh, le même rouleau mais la source de l'image n'est différente. c'est pour ça que les couleurs sont un peu différentes. Et on voit que la maison est de nouveau prospère. Et ici j'aime bien montrer cette image qui est très longue en fait. Vous voyez, elle fait on va revenir, hein. parce quelle répertorie tous les signes de, pros de prospérité c'est intéressant de voir qu'est-ce que, au début du XIVe siècle, qu'est-ce qui, pour un, euh, la noblesse japonaise, représentait la prospérité. Euh, et parmi ces signes, et bien vous voyez, il y a des voitures. Hein. Euh, il y a deux voitures plus, un, probablement, un, peut-être un palanquin. En tout cas, il y a trois véhicules. Il y a beaucoup de monde. Donc, ça signifie qu'il y a beaucoup de visiteurs. Donc, la vie sociale, elle est revenue. Donc, ça, c'est vraiment un élément majeur de signe de prospérité. Après, il y a d'autres choses. Euh, on apporte le tribut, donc ça veut dire re, des ressources qui viennent de ces, des ressources de ces euh, propriétés foncières. Euh, là, il y a des, euh, une référence à la chasse aux faucons, un magnifique jardin avec des enfants qui jouent, etc. Mais donc, vous voyez, la voiture, elle, a, elle, disons, elle joue un rôle euh, parmi d'autres pour euh, montrer un élément positif de retour à la prospérité. Voilà les détails. Euh, donc, ça, cette œuvre de Kasuga, elle a beaucoup euh, servi de référence à, à Matsudaira Sadanobu. Hein. Entre autres, parce qu'elle a été peinte par un peintre de cour euh, pour la cour. Enfin, bon, c'est un peu le ça fait partie des œuvres, euh, en tant que telles déjà, de, de très haut standing, si on peut dire, euh, euh, au Japon. Alors, je vais vous montrer une autre œuvre qui est très connue, c'est euh, la Saône nocturne du Palais de la Troisième Avenue, qui est un détail, enfin, un, une section du rouleau du Didier Heiji qui se trouve au Musée des Beaux Arts de Boston. Si vous voulez le revoir à, à la maison, c'est facile, hein, il est en, en ligne. Euh, et en particulier cette, euh, cette scène qui est un embouteillage euh, inextricable euh, de voitures euh, qui est même extrêmement dangereux, puisque si on regarde bien, il y en a un qui est en train de se faire écraser. Euh, enfin, en tout cas, il donne l'impression d'être fait écraser euh, par une roue. Alors, cette, euh, cette scène fait partie d'une séquence euh, connue qui est beaucoup plus longue. Euh, au centre, il y a un palais. Dans ce palais, c'est retiré, s'est euh, réfugié, pardon, euh, l'empereur euh, retiré, et des guerriers attaquent euh, le palais pour enlever l'empereur et euh, pour arriver à faire sortir. Mais bah, ils mettent le feu au palais. Ils en profitent pour massacrer euh, tout le monde, hein, sauf l'empereur. C'est une scène assez violente. Hein. Et, euh, et ensuite, ils embarquent l'empereur, donc qui est là. Bon, je vais vous montrer les détails ensuite ici de la. Euh, la voiture qui arrive, qui est posée contre la galerie pour enlever l'empereur. Et ensuite, ça continue donc sur la même séquence, mais quand on regarde dans le déroulement, on découvre ensuite le, la voiture qui est entourée de, euh, de guerriers dans laquelle se trouve l'empereur. Donc ça, c'est la, la voiture qui est posée, vous voyez, qui est euh, garée contre la galerie. C'est difficile à voir, mais on voit les les guerriers qui sont en train de pousser hein, pour euh, bien coller la voiture contre la galerie, et donc l'empereur doit être, l'empereur retiré doit être derrière ces stores, il va sortir et on va le faire monter dans la voiture. donc ensuite il y a l'incendie. et euh, ensuite donc la voiture, la même voiture réapparaît, c'est celle-ci, euh, à l'intérieur de laquelle se trouve l'empereur. et les nobles ont entendu ça. Euh, et ils accourent. Donc en fait, il n'y a pas de. La, la, cette scène d'embouteillage, de, elle a lieu à peu près en même temps que euh, les autres, euh, ces, ces autres événements. Euh, et donc cet embouteillage, c'est une manière de montrer euh, la... Cette scène de chaos témoigne de la précipitation et du trouble provoqué par ces événements. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans cette peinture. Vous pouvez remarquer que l'intérieur des roues est noirci. Vous voyez ici, voilà, l'intérieur des roues est noirci. Donc le, le peintre n'a pas figuré les rayons, alors que si vous vous souvenez des autres peintures, on figurait les rayons. Donc ça, c'est une façon de représenter la vitesse. Et euh, c'est la, la persistance rétinienne. Ça peut paraître étonnant, mais c'est quelque chose qui est très courant au XIIIe siècle. Ça a même été presque théorisé. Il y a un texte au XIIIe siècle qui explique que quand on représente une voiture en mouvement, eh bien, il ne faut pas figurer les, les rayons, il faut noircir l'intérieur parce que c'est comme ça que ça, c'est ce qu'on perçoit. Euh... Aussi, vous pouvez voir qu'il y a deux sortes de voitures. Il y a les voitures légères, ordinaires, et puis les voitures blanches, hein, comme on a vu tout à l'heure. Il y en a une, celle-ci, elle, elle, elle avance lentement, alors que celle-ci, au contraire, avance vite. Donc, vous voyez qu'avec ces différentes... Euh, enfin, ces, le fait qu'on utilise le noircissement ou pas, on arrive comme ça à, à montrer les différences de, de vitesse de déplacement. Bon, si vous avez des questions, on verra ça après, à la fin. Euh, oui, là, c'est un petit détail, mais là, on voit... La, 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 le volet est ouvert, on voit l'intérieur... Euh, de la voiture. Vois, ce qui m'intéresse dans, dans ces exemples, c'est aussi le fait que les voitures représentent finalement la noblesse de cour par, euh, par opposition aux guerriers. Les guerriers ils ont une sorte de présence euh, corporelle forte et la voiture, au contraire, elle, elle serait plutôt la représentation des, des nobles qui sont invisibles, hein, qui sont cachés à l'intérieur de, euh, de leur maison ou euh, de, leur, de leur voiture derrière euh, les stores. Alors pour, euh, pour terminer en quelque sorte, euh, je voudrais euh, continuer sur cette idée de la voiture comme représentation de la noblesse en, 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 prenant, en donnant en exemple des objets et des images liés au dit du Genji. Jusqu'à présent, les œuvres que je vous ai montrées, c'était des œuvres qui se considéraient comme euh, des représentations d'événements de, réels. Là, maintenant, on va passer vraiment à de la fiction. Donc avant ça, je voudrais parler des mots. Je vous ai dit que ces voitures de cours, on les appelait en japonais guisha, voiture tirée par un bovin. Mais en fait, il y a deux autres mots qui, qui servent au moins à partir du XVIIe siècle, donc à une époque où les voitures ne sont plus utilisées. Il y a deux mots euh, qu'on utilise de manière familière qui sont attestés depuis au moins le début du XVIIe siècle. Donc il y en a un, c'est gosho guruma, qui signifie la voiture pour aller au palais. Euh, alors voiture pour aller au palais parce que à partir, à la fin, à partir de la fin du XVe siècle en fait les voitures de cour ne sont plus utilisées que pour des cérémonies très importantes euh, qui ont lieu à la cour c'est enfin, une explication que donne le dictionnaire euh, donc le d'où l'idée voiture pour aller au palais pour aller à la cour euh, ce qui est intéressant aussi c'est que le, le dictionnaire euh, actuel Dit que ce mot apparaît dans le Nippodisho, donc le dictionnaire japonais-portugais de 1603. Et bon, j'ai vérifié, en effet, c'est Guruma, voiture décorée utilisée pour les personnes de haut rang. Donc voiture d'apparat pour, pour les aristocrates. Et l'autre mot qui apparaît également le, dans le Nippodisho, c'est euh, Genji Guruma, donc la voiture du Genji, la voiture du roman du Genji. Donc la, la définition que donne le nipoji show c'est Go Kanaso Shoku donc voiture qui est euh, magnifiquement décorée. Hein. Euh, mais l'explication le, que donne le, dictionnaire, le grand dictionnaire de la langue japonaise, c'est que euh, on parle de Genji-Guruma parce qu'il y a beaucoup de voitures de cours apparaissant dans les peintures du dit du Genji. En tout cas, c'est clair, il y a un lien. Euh, enfin, voilà quelque chose d'important entre le, le dit du Genji* et ses voitures de cours. Et j'ai regardé par exemple dans les *Contes d'Issé*. Vous connaissez peut-être hein, cet autre grand texte classique de la littérature japonaise. Il y a une version imprimée qui date du début du XVIIe. La version saga. Euh, il n'y a aucune voiture de cours dedans. Donc dans, dans les *Contes d'Issé*, euh, les nobles se voyagent à, à cheval ou à pied. Alors, dans le *Genji*. On peut les voir, ils peuvent aussi circuler à, à cheval euh, lorsqu'ils vont un peu à la campagne. Mais euh, c'est vrai qu'en ville, ils sont toujours euh, en voiture. Donc il y a quand même une sorte de, de lien comme ça fort qui est fait entre les voitures de cours et euh, le Genji. Alors je vais vous montrer une série d'images se référant à un passage euh, du Genji. Donc pour commencer. C'est un costume de NO avec le même motif répété d'une voiture de cours. Donc, cette voiture, elle est composée d'une cabine, la même cabine qu'on a pu voir jusqu'à présent. Euh, on va peut-être regarder un détail. Elle est fermée par des stores. Euh, et, et puis, il y a ces, ces rideaux qui dépassent de part et d'autre, qui ajoutent un élément précieux et un peu de douceur. C'est sorte de représentation codifiée qu'on va retrouver constamment. C'est probablement un Ajiro Guruma, euh, mais bon, à la limite, peu importe. Hein. Je pense que pour le spectateur, c'est avant tout une voiture de cours. L'autre élément qui est important pour comprendre cette scène, euh, ce sont les fleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fleurs en... de Yugao en japonais, donc euh, belle du soir hein, en français. Il y a les feuilles, il y a des fleurs ici, et puis il y a les vrilles. Alors, Difficile à voir, mais là il y a des petites vrilles, vous voyez ici ou là, des petites vrilles. Donc ces yugao, ce sont des plantes grimpantes qui poussent dans, euh, dans les jardins des, euh, plutôt des quartiers populaires. Alors, ça vous dit quelque chose cette histoire, yugao Certains d'entre vous connaissent. Alors je vais vous raconter l'histoire. C'est une histoire très connue du, du Genji, c'est dans le chapitre 4. Euh, donc là, en l'occurrence, c'est un, un costume qui est porté par un, un acteur de théâtre No dans une pièce de théâtre qui s'appelle euh, Yugao, Belle du Soir, qui est inspirée d'un passage connu du euh, roman. Donc j'ai résumé brièvement, dans ce passage, le Genji, qui est en voiture, rend visite à sa nourrice dans un quartier populaire de la capitale. Juste avant d'arriver chez sa nourrice, son regard est arrêté par des fleurs qu'il n'a jamais vues. Ce sont les fleurs ici. Ce sont des belles du soir, donc des plantes grimpantes qui donnent des gourdes et qui ne poussent pas dans les jardins de la noblesse. Il arrête sa voiture et il demande à un serviteur d'aller cueillir un rameau de ces plantes. Voilà le serviteur. À ce moment-là, une jeune fille sort de la maison et lui tend un éventail sur lequel sont posées quelques-unes de ces fleurs. À son retour, lorsque le Genji examinera l'éventail, il y découvrira un poème. Et donc, cet épisode marque le début d'un amour passionnel pour la jeune femme qui vit derrière les stores de cette maison et qui n'apparaît à aucun moment dans cette, ce passage. Donc là, ici, le costume, en fait, il se réfère à cette histoire et il se résume, il résume l'histoire à deux éléments la plante grimpante, dont on voit les, les feuilles, les fleurs et les vrilles, et la voiture. Donc on peut considérer que la voiture, c'est une sorte de représentation métonymique du prince, et les fleurs, c'est la représentation métonymique, ou ce que vous voulez, de la femme. Donc là, on a, deux, on a deux personnages en fait qui sont représentés à travers deux objets. La voiture, qui évoque le Genji, mais la cour aussi, et la, et la femme, qui est, qui est évoquée par les fleurs, mais aussi quelque chose d'un peu plus populaire, disons, à travers ces fleurs. Donc si ces représentations elliptiques, elles existent, c'est bien sûr parce qu'elles sont nourries par ce type de peintures qui sont plus explicatives et qui montrent en détail les personnages. Voici un autre exemple du de fin du XVIIIe. Le précédent, c'était début 17 Pardon, ça c'est début 17e. Ça c'est fin 17e. On retrouve euh, la même scène avec la voiture toujours dans le coin inférieur droit. La, le serviteur qui est en train de cueillir... Euh, les fleurs et la femme qui apparaît avec son éventail. Là, la, la voiture a des, un décor un peu fantaisiste, à mon avis. Mais bon, euh, là, il n'y a pas d'escorte, alors que précédemment, vous voyez, il y avait l'escorte. Ici, il n'y a pas d'escorte, mais il y a juste le peintre a rajouté ce qu'on appelle une de cours. Donc, ombrelle de cour. Donc, l'ombrelle de cour, c'est soit une ombrelle, soit un parapluie. En fait, le problème, c'est qu'en japonais, on ne fait pas la différence. Kasa, ça s'appelle Sandai Gasa. Euh, c'est une sorte d'accessoire qu'avaient les nobles lorsqu'ils allaient à la cour. Si vous regardez des peintures, vous verrez toujours y a, y a toujours leur ombrelle de cour. Donc c'est un élément disons, qui renforce encore le côté noble de euh, cette voiture. Euh, et ça, il y en a des, des dizaines, si ce n'est des centaines hein, d'images euh, qui représentent cette scène. Voici la même, un éventail un peu plus ancien, 15e, peut-être 15e siècle. On voit la voiture, les fleurs et. Euh, le sariteur qui récupère donc l'éventail avec les fleurs aussi. Euh, voici une, euh, un coffret de toilette du XVe siècle qui donc est en lac et comme souvent sur les objets en lac on retire on, on ne garde que les objets on retire les, les figures humaines un petit peu aussi comme le, le, le vêtement de, de Noé. mais la voiture on voit que la voiture elle a une place importante, elle est garée donc derrière, devant la porte sur laquelle s'étirent toujours les sarments de Yugao. Donc là encore l'image met en valeur les deux amants à travers ces deux objets. Une bouilloire utilisée en cérémonie du thé. Et si vous regardez bien, vous voyez ici il y a la voiture et les fleurs. Difficile à voir mais vous arrivez à voir. Euh, donc, je pense que vous êtes convaincus <laughs> Alors, maintenant, la même chose, mais dans les stamps. Donc Là, on descend euh, le temps. Euh, là, ici, la voiture, c'est est une présence elliptique, c'est juste une portion de roue. Mais je pense qu'elle est indispensable, parce que sinon, la scène deviendrait ambiguë. On aurait l'impression que le serviteur est l'amant. Donc, là, il y a bien quatre personnages dans l'histoire, dans cette scène. Il y a le serviteur, la servante. Et puis le Ganji et euh, la menthe, hein. belle, du, belle du, du soir. Une parodie. Ça, ce sont des œuvres que, qui étaient exposées l'année dernière à, à, au Musée Riedberg à, à Zurich, une exposition dont j'étais la commissaire, enfin une des commissaires. Euh, donc une, euh, une parodie où là, cette fois-ci, les personnages masculins de la suite du Ganji sont représentés comme des femmes de l'époque des dos, on le voit à leur euh, costume, à leur coiffure, mais le serviteur est toujours représenté avec un costume de l'époque de Heian, et la voiture est aussi dans le style de l'époque de Heian. Donc j'imagine que pour un spectateur du XVIIIe siècle, la scène, elle est hybride, euh, mais voilà, on, on pouvait pas remplacer. C'est comme si on ne pouvait pas remplacer la voiture de cour. C'est tellement fort comme image que euh, autant les, les femmes, on pouvait les où les, les membres de l'escorte, on pouvait les transformer en femmes, en, femme, euh, en courtisanes. Autant la voiture, non, il fallait que ça reste euh, une voiture de cour. Et la dernière qui est très intrigante, c'est encore hein, une parodie, un mitaté, donc une transposition dans le monde contemporain. Euh, mais ici, la transposition, elle est beaucoup plus aboutie, puisque apparemment, il n'y a aucune référence à la cour. Donc, on a euh, une jeune femme qui sort de sa porte, de, de sa maison, qui tend un éventail à un jeune homme. Voilà, du coup, on se dit, bah, ça doit être, le... Alors, je sais pas, est-ce que ce sont deux intermédiaires Est-ce que elle c'est l'intermédiaire et lui c'est l'amant Enfin, compliqué. Euh, en tout cas, la femme, elle porte, elle tend sur son éventail une lettre d'amour. Vous voyez ici, c'est une, une, une feuille de papier qui est pliée avec un nœud. Donc, ça, c'est une, une lettre d'amour, mais vous voyez derrière hein, les euh, fleurs avec euh, les vrilles. Et en fait, il y a la voiture. Alors, est-ce que vous la voyez, la voiture Vous la voyez Vous avez des bons yeux. Elle est où Ouais, elle est ici. Alors, je vais vous montrer. Et qu'est-ce que c'est Ouais, c'est une cage. C'est une cage à, à insectes. C'est un mouchicago. Donc moi j'adore cette image parce que je trouve que le Harunobu a, a, a eu vraiment un... Il, il fallait absolument qu'il la mette cette voiture parce que sinon c'est un élément tellement important dans, dans, cette, euh, dans cette scène. Mais bon voilà, il l'a transformée en, euh, en cage à, à insectes. Euh, évidemment, on peut comprendre tout le, le piquant de cette image en, en ayant en tête toutes les, les images. Euh, Antérieure. Alors, j'aurais pu vous montrer d'autres exemples du, du, du Genji euh, avec euh, des voitures de cours, mais je pense que celui-ci était le plus pertinent, enfin le, le plus fort, hein, parce que là, c'est vraiment le, la voiture qui se substitue. Euh, au, au prince. Mais les voitures de cour, à l'époque des dos, elles ne sont pas toujours représentées en lien avec le dit du Genji, même si on les appelle Genji Guruma. Elles peuvent aussi euh, être représentées indépendamment. Elles font partie de ce qu'on appelle les monyo c'est-à-dire les motifs auspicieux. Euh, alors, il y a d'autres types de motifs auspicieux, par exemple la triade pin, bambou, prunus, euh, les pivoines, la combinaison grue et... Tortues, hein, vous savez, là, ce qui est symbole de longévité, des éventails, euh, des, des coquillages, euh, enfin, toutes sortes de, de motifs qui sont considérés comme auspicieux. Et les voitures euh, dites du Genji, les Genji Guluma, donc les voitures de cour, en font partie. Alors, elles en font partie parce que finalement, euh, leur association à la cour, les. Enfin, on les associe, du fait de leur association à la cour, on les associe à la beauté, à l'élégance, euh, à, à la réussite sociale, etc. Donc, c'est un, voilà, un, un bon motif. Et donc, pour. Euh, bah, presque quasiment pour terminer, je vais vous montrer une écritoire hein, qui se trouve au château de Fontainebleau. Donc, euh, comme Sandra Chal a dit tout à l'heure, j'ai été euh, commissaire d'une exposition l'année dernière sur les cadeaux diplomatiques. Euh, qui se trouve euh, à Fontainebleau et euh, donc il euh, y a ce très belle, euh, cette très belle écritoire qui est probablement, on n'est pas sûr, mais qui est probablement un cadeau diplomatique, c'est-à-dire un, 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 un objet qui aurait été euh, envoyé par le shogun à Napoléon III à la fin du, euh, donc dans les années 1860. Ici, la voiture de cour est associée non pas à alors c'est pas ça n'a rien à voir avec le Genji, c'est elle est associée à un, un saule et un cerisier euh, en fleurs. Donc elle est certainement associée à la capitale. Il y a je crois un poème dans le Kokinshu, enfin faudrait vérifier qui euh, c'est ça. Hein Merci Evelyne, qui qui euh, parle de la beauté de la capitale où, euh, donc les, à, au printemps avec euh, les, les avenues euh, qui sont euh, euh, décorées par, par les, les, les saules euh, verts et les, les fleurs de cerisier blanches. Donc là, on est vraiment dans une image encore de, de, de beauté, de somptuosité, mais certainement aussi, il y a aussi quelque chose qui est lié à la. Euh, Disons, qui est considéré comme de bonne augure, parce que si on regarde, bon, ça, ça c'est une vue, voyez euh, oui, c'est une œuvre qui est somptueuse, <laughs> on voit bien le, la roue qui est faite en, en relief, le, le toit aussi de la voiture qui est faite en relief, Et puis ça, là vous reconnaissez, c'est un Kalahafu, donc un, une voiture de type chinois, donc c'est la, la voiture de rang le plus élevé, donc c'est probablement aussi un choix, si c'est un cadeau diplomatique fait par le shogun à l'empereur de, des Français, il a peut-être choisi pour cette raison. Le, le, la voiture de rang le plus élevé. Euh, et à l'intérieur, le, sur le, 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 le revers du couvercle, il y a un pain, des bambous et un prunus en fleurs, donc les trois amis de l'hiver, hein, qui tiennent bon malgré le froid et qui constituent aussi un motif auspicieux. Donc on aurait comme ça, de, des deux côtés, euh, des motifs euh, auspicieux. Donc ça convient à. à des, des relations euh, diplomatiques que l'on veut établir sous un jour euh, favorable. Euh, donc vous voyez les, ces, ces voitures, euh, finalement on les retrouve dans différents euh, euh, aspects. Donc pour terminer, en, en préparant cette conférence, en fait j'ai pensé à la Citroën-DS des mythologies de Roland Barthes. Peut-être certains de vous connaissent. Et si vous me permettez cette comparaison, la voiture tirée par un, un bovin, c'est un peu l'équivalent de la Citroën-DS des années 60. Un lieu de mémoire non pas des élites françaises, mais un lieu de mémoire de l'aristocratie japonaise. Le symbole parfait non pas des trente glorieuses, mais le symbole de la société de cour. Et toujours pour citer Barthes, un objet mythique, car sans lui, l'histoire s'efface. Donc, À l'époque d'Edo, il n'y a plus de voiture de cour dans le monde réel. Mais sans la voiture de cour, une grande partie de la mémoire de la société japonaise de l'époque de Heian et de Kamakura aurait euh, disparu. Alors, je ne sais pas si c'est si euh, pertinent que ça, mais je voulais citer un autre Roland, Roland Recht, lui aussi professeur au Collège de France et Strasbourgeois, qui disait, si nous acceptons de considérer que la religion, le mythe, le langage, la science et l'art sont des formes symboliques qui s'interposent entre l'homme et le monde dans lequel il vit, formes qu'il a créées, qui sont en fin de compte les seules réalités qu'il perçoit, alors il faut admettre que l'œuvre d'art contribue aussi à structurer le réel. Et c'est vrai que les, ces images de l'époque des dos, de la voiture, qui ont peut-être pas grand-chose à voir avec la réalité des euh, voitures qui ont été vraiment utilisées entre le IXe et le XIVe siècle, ont beaucoup contribué à structurer notre vision de la cour. Et, euh, oui. et aussi, pour vraiment terminer, euh, Matsudaira Sadanobu, dont j'ai parlé au début, euh, et donc dont les travaux sur les voitures ont également beaucoup contribué à façonner notre vision euh, de, de la cour, euh, n'a pas cité le dit du Genji. Il a cité plusieurs textes de la littérature classique, comme par exemple les notes de Chevet, mais pas le Genji. Et peut-être l'auteur de, de ce livre, qui le fait remarquer, euh, dit que c'est précisément parce qu'il souhaitait utiliser cette encyclopédie pour s'aider dans la lecture du dit du Genji qu'il n'a pas euh, cité le Genji. Donc vous voyez, il y a une espèce de... On tourne un peu en rond quelque part, on ne sait plus très bien où se trouve la réalité. Et c'est souvent le problème avec ces images anciennes, c'est qu'on les, on les interprète à la lueur de choses qui sont dites plus tard. Et après, comme on sait ce qui a été dit plus tard, on dit Ah, mais oui, en effet, c'est vrai, puisque ça a été dit au XVIIe, au XVIIIe siècle, et regardez la preuve. Mais en fait, ce qui est découvert au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ça repose sur des images. Donc, on est souvent dans cette situation. Et. Voilà, bah je vous laisse se réfléchir sur ces questions. Merci. M'arrête là. Bonsoir. déjà bah merci euh, merci pour la conférence et euh, alors peut-être qu'il marche pas si, ok Pe peut-être qu'il fallait lire entre les lignes euh, parce que je n'ai pas réussi à le faire mais comment ça se fait qu'ils aient arrêté d'utiliser euh, des voitures de cour parce que je sais que la noblesse a, a perdu en, en, en pouvoir en influence et etc mais je ne pense pas qu'ils aient complètement euh, disparu donc Du coup, ben voilà, je, je me demandais, c'était ma oui, question. C'est une très bonne question. Euh, si, apparemment, la question économique elle a vraiment joué, hein. parce qu'en fait, euh, il faut donc il faut la fabriquer, la voiture, et il faut l'entretenir. Il faut avoir euh, donc des animaux, force motrice. Il faut aussi avoir du personnel, donc ça ça coûte cher. Donc, et on sait que à l'époque de Molomachi, 14e, 15e siècle. Euh, euh, enfin, c'est vous même qui l'avez dit hein, la, la, la noblesse elle s'appauvrit de, de plus en plus donc en fait ils ne peuvent plus en avoir alors il y a peut-être d'autres raisons est-ce que l'état des routes a joué, ça je ne peux pas vous dire hein. euh, mais en tout cas la dimension économique apparemment joue beaucoup et puis euh, donc ils remplacent ils utilisent les, notamment les, euh, les palanquins qui, sont, bon, qui nécessitent aussi du personnel mais qui sont peut-être plus souples à utiliser D'autres questions Commentaires Oui euh, Alors, c'est presque le. Enfin, c'est par rapport à la. À, à, euh, euh, le Chicago de tout à l'heure. Ah, Mouchicago, oui. 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 Euh, c'est un peu gênant à formuler mais je me demandais simplement si une des interprétations possibles n'était pas que le genji serait euh, en quelque sorte euh, un, in un insecte <laughs> oui et tout simplement parce qu'en fait au final euh, même l'insecte a un lien fort avec les plantes les fleurs ouais. et du coup ça m'a pas paru absurde, mais d'un autre côté, je trouve ah. que c'est peut-être un peu violent comme représentation, sachant que le Genvi est un noble normalement de très haut rang. Bah écoutez, euh, <laughs> moi je trouve ça intéressant, Il hein, faut, faut formuler des hypothèses. Hein, moi j'ai lu aucune interprétation de, sur cette image, si ce n'est juste, euh, voilà, c'est un mitate, Mouchikago, Chicago, enfin pas de rien de plus. Euh, vous écrivez un... Hein. Il, il, il faut creuser, à mon avis. Okay. Merci. Une thèse, voilà. Une thèse. Ça, ça peut être le début d'une thèse, effectivement. D'autres questions, commentaires Oui. Merci. Bonsoir. C'était une question par rapport du coup au déplacement des nobles en voiture. Je me demandais si c'était pas un risque pour eux quand même de se déplacer comme ça, dans, dans, surtout dans la mesure où ils affichaient euh, certains traits avec l'écusson, par exemple. Est-ce que ça posait pas un risque justement euh, de se faire attaquer ou pardon quelque chose comme ça Alors euh, c'est intéressant ce que vous dites et ça me permet de parler. D alors je plus ou moins répondre à votre question. Euh, il arrive que euh, les nobles utilisent une autre voiture pour se, pour se dissimuler par exemple justement dans, dans la scène du dans cette scène ci le Genji utilise une voiture très ordinaire le texte dit hein, euh, afin de ne pas être euh, découvert et il sait que il euh, même en engageant euh, même s'il commence à s'engager avec cette femme elle va pas savoir qui il est et d'ailleurs tout c'est un des thèmes de ce, de ce chapitre hein, c'est la dissimulation de la du lui ne sait pas qui elle est et elle, elle ne sait pas qui il est. Et c est, c est, ça commence avec la voiture. Il euh, y a une autre histoire euh, qui se passe, je crois. Alors je ne sais plus si c'est pendant le Heiji ou... En tout cas, au XIIe siècle, où... Euh, alors, attendez, je ne me souviens plus, mais c'est soit un empereur... Non, je crois que c'est une impératrice qui veut partir en cachette. Et donc... Il euh, y a un, ce qu'on appelle un migawari, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre une voiture, euh, une très belle voiture, une voiture correspondant au standing de l'impératrice et euh, s'installer enfin, dedans pour justement être sûr que les, alors, si les guerriers vont attaquer cette voiture. Et pendant ce temps, l'impératrice, elle, elle va partir avec une autre voiture qui ne correspond pas à son, son rang. Donc, vous avez raison, il y a, y a des, des jeux comme ça. Les, les, les nobles peuvent utiliser ces... Volontairement ces décalages, oui. Et vous avez raison aussi de parler du Kulumano au monde, donc les, euh, les, les mondes, là, les, les décors peuvent aussi sont liés aux, aux familles, euh, tout à fait. Oui. D'autres questions, commentaires Oui. Dorelle. Merci. Euh, bonsoir. Et déjà merci de m'avoir montré un kimono magnifique. Euh, je vais en rêver toute la nuit, je pense. Euh, J'ai une question par rapport à, euh, au palanquin, je pense, de l'empereur ou de la haute noblesse. Mmh. Vous avez des personnes qui tiennent comme des tiges ou des fils dans les tout premières représentations que vous nous avez montrées, encore mmh. avant ou encore après Oui, ouais, tout au début, tout au début, ouais. euh, Attendez, je vais y arriver. Oui. Ça fait partie de l'escorte et je me demandais en fait à quoi ils servent, sans manque de respect à ces personnes, mais c'est là peut-être. Oui, elle-même. Alors, à quoi ça peut servir euh, À mon avis, c'est décoratif. Hein. Ah oui, peut-être, oui effectivement, parce que le, vous avez raison, il y a un dessin, c'est un peu compliqué là le. Je crois qu'il y a juste des petites, euh, des pipoteaux tout légers. Euh, et donc, oui, ça doit être ça. Ça doit être pour stabiliser la, euh, le toit. Le toit, ça marche. Merci. Merci, bah, merci pour la question. D'autres questions, commentaires Oui? Euh, un peu hors sujet, mais euh, on a dit que les bouviers n'étaient pas considérés comme adultes, mais est-ce que socialement, du coup, ils étaient considérés moins importants ou parce qu'ils avaient quand même un certain rôle dans les voitures à bœuf quand même Oui, je crois qu'ils étaient vraiment, c'était des, des gens vraiment très, très humbles. Et d'où l'histoire, euh, cette histoire de, donc de ces Kisono Yoshinaka, donc qui est un, un, un guerrier. Donc, euh, à l'époque du D. qui est un peu, un peu le méchant, hein, je crois, dans, dans le. Pardon une brute. une brute, ouais c'est ça. Merci. Une espèce de brute, donc, fruste. Et c'est lui qui, qui arrive à la capitale. Et donc, il ne sait pas comment monter dans, dans la voiture. Et donc, il monte par l'arrière, il descend par l'arrière. Il, il est étonné aussi parce que. Ça, je ne vous en ai pas parlé. C'est l'option des, des voitures. Vous voyez, là, ici il y a une poignée. Ça, c'est une poignée. Et donc, lui, il monte peut-être par l'arrière, la, peut et puis, il voit la poignée. Alors, le, le bouvier lui dit, voilà, il y a la poignée et tout. Et puis, euh, il, il est très étonné. Et, enfin, bon, et il dit, mais c'est le propriétaire de la voiture qui a inventé ça. Et le bouvier lui dit, mais non, pas du tout. Euh, il y a ça dans toutes les voitures. Toutes les voitures sont équipées de ça. Enfin, bon. Et donc, c'est vraiment, on se moque en fait, parce que même un bouvier qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement humble, on sait plus que le que ce que ce guerrier. Bon, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est pour montrer la, le, le décalage. Donc, je pense que les bouviers sont vraiment des gens très très simples, hein. euh, euh, Oui. Bonsoir. Du coup, moi, j'aurais une petite question par rapport euh, au passage au palanquin. Euh, je me demandais pourquoi, du coup, on... parce que dans la logique, enfin, en tout cas, dans ma logique, euh, on passe de l'homme à l'animal à la machine. Pourquoi est-ce que là on est passé euh, du bovin à l'humain oui. pour euh, tenir tout ça euh, là, 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 moi, j'ai rien lu de particulier là-dessus, donc euh, je pense que c'est quand même un, un, ça représente un coût euh, élevé d'élever hein, le, d'avoir un, un bovin. Le, je pense que le, le coût humain ne doit pas être très important. Mais je n'ai pas d'explication de, là-dessus. Ouais. Et je crois. Elle, elle en parle un petit peu, mais elle n'explique pas en détail cette question. D'autres questions, oui. Euh, bon bah déjà, merci pour la conférence. C'était très intéressant. Et en fait, j'avais une question justement. Euh, euh, par rapport au, euh, aux peintures qui se trouvaient dans euh, les voitures. Mm. Euh, je voulais savoir donc, pourquoi euh, vous avez dit que c'était des Chinois. Mais d'abord, à quoi vous voyez ça Et est-ce que c'était des Chinois parce qu'à ce moment-là, le Japon était un, influencé encore par la Chine, peut-être enfin... Alors là, je ne suis pas sûre, justement, euh, mais c'est probablement... Il faudrait revoir avec le, le costume. Hein. Je, je, euh, il faudrait regarder de nouveau là-haut. Hein. J'ai regardé trop rapidement tout à l'heure. Euh, si si c'est une sorte de tunique euh, longue, ce serait euh, des Chinois. Alors, le fait que ce soit des Chinois, c'est. En fait, dans la peinture japonaise, il y a, il y a toujours cette. Euh, comment dire Il y a toujours des peintures dites ce qu'on appelle kalae, donc les peintures d'inspiration chinoise, ou qui représentent la Chine, et les peintures qu'on appelle. Euh, c'est le wa c'est le wa el kan donc Yamatoe ou... et qui représente le Japon. Donc c'est une opposition qui est... qui existe depuis l'époque de Heian qui perdure tout au long de l'histoire du Japon et c'est vrai que l'utilisation elle est différenciée en fait entre le le, le goût chinois, le goût japonais. Enfin, c'est pas vraiment le goût. C'est difficile. On peut pas le résumer comme ça parce que ça va dépendre de selon les périodes et selon le. Il peut y avoir des peintures à l'encre et opposées à la peinture avec, avec des couleurs, mais ça peut être aussi dans des Des peintures uniquement avec des couleurs et ça c'est le cas ici. Des peintures qui représentent plutôt la Chine et d'autres qui représentent le Japon. Et là, dans le cas des des, des, des voitures, les euh, les peintures euh, qui représentent la Chine sont de rang supérieur aux peintures qui, sont, qui représentent le Japon. Mais c'est assez, ça se comprend. Hein, le, la Chine, c'est le, le, le pays le plus prestigieux, donc euh, euh, c'est là. Oui. Donc, euh, Bonsoir, j'ai peut-être loupé l'information, mais pourquoi l'empereur ne prenait pas de voiture en fait Alors, je ne vous ai pas, ai pas expliqué, je n'ai pas lu d'explication, mais est-ce que quelqu'un pourrait m'aider Il y à l'animal Pas d'animaux hein. Oui, la, souille, ça, la souillure, oui, je pense -ce que c'est... Je, je verrai ça. Hein, le... Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Merci. Et puis pour le distinguer aussi, hein, de... l'empereur, c'est vraiment un être à part. Donc, euh... Alors je crois malheureusement que nous, devons, nous avons des impératifs de temps. Donc il va malheureusement falloir mettre fin à cette belle conférence. Merci encore Estelle pour... Merci à vous. Hein. C'était tout à fait passionnant. Euh, je précise que il semblerait en fait que ce qui est passé en, en ligne sur la chaîne YouTube en fait sera pérenne et pourra être revu. Ça nous a été confirmé. Donc, si vous souhaitez euh, réécouter cette conférence, ce sera tout à fait possible.